Bonsoir. Bienvenue à l'espace Dickens, lieu d'échange, de rencontre pour les acteurs de la société civile. L'espace Dickens, c'est un espace où on peut louer des salles. Il y a 3 salles ici, plus une salle à côté. C'est un lieu aussi d'échange, de rencontre, qui permet à différents acteurs de pouvoir présenter des conférences ou mener d'autres activités. Et puis l'espace Dickens aussi gère 2 étages de l'immeuble d'à côté et sous-loue des bureaux à différentes organisations. Peut-être je vais me présenter, je suis Alexandre Cavin, je suis d'ailleurs membre bénévole du comité de l'espace Dickens. Professionnellement, je suis secrétaire général de la FEDEVACO, Fédération Vaudoise de Coopération, qui fédère 48 ONG de toute taille, dont la Fondation Hirondelle, qui est représentée ce soir par sa directrice, Caroline Villemin. Les bureaux de la FEDEVACO sont dans l'immeuble juste à côté. 2-3 mots juste sur la FEDEVACO. Donc, parmi nos objectifs stratégiques, je peux en citer 3. C'est le partage des savoirs, le partage d'expériences entre organisations membres. C'est le plaidoyer pour augmenter l'aide publique au développement, notamment évidemment ici au niveau cantonal. Et puis le cofinancement de projets de nos organisations membres. Ce cofinancement, ça représente en 2022 4 millions pour 71 projets. Et ça a été rendu possible par nos partenariats avec les collectivités publiques, la Direction du Développement et de la Coopération, la DDC, l'État de Vaud avec 5 départements plus le CHUV. Et puis une quarantaine de communes vaudoises. Donc ces partenariats nous permettent de financer les projets de nos organisations membres. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Monsieur Jacques Forster, le conférencier de ce soir. Et puis on aura pour la deuxième partie d'échange l'animation par Madame Caroline Villemin. On a prévu 45 minutes de présentation, conférence de Monsieur Forster, après un échange avec les personnes qui sont dans la salle, et puis on terminera avec l'apéro et la vente des ouvrages que Jacques peut signer pour celles et ceux qui le souhaitent. Permettez-moi alors de vous présenter Jacques Forster, qui est économiste de formation. Il est professeur honoraire de l'Institut des hautes études internationales et du développement, IHED, à Genève. Il a travaillé pendant 10 ans pour la coopération suisse, donc la DDC, aujourd'hui la DDC, ainsi que pour le CICR, dont il fut le vice-président de 1999 à 2007. Il a justement été professeur à l'Institut universitaire d'études du développement, qui est devenu maintenant IHED, à Genève, qu'il a aussi dirigé de 1980 à 1992. Jacques Forster a siégé dans plusieurs conseils d'ONG en Suisse, dont le conseil de la Fondation Hirondelle, et HQAI, dont la mission est de promouvoir la qualité de l'aide humanitaire et du développement. Enfin, Jacques Forster a également été le président de la petite sœur, une des petites sœurs de la Fédération Vaudoise de Coopération, de la FEDEVACO, et donc il a été le président de la Fédération Neuchâteloise de Coopération, Latitude 21. Il en a même été le premier président de 2008 à 2017. Bienvenue Jacques. Merci. Et puis j'en profite pour vous présenter aussi Caroline Villemin. Caroline Villemin est directrice générale de la Fondation Hirondelle depuis le 1er janvier 2017. Sa carrière reflète un engagement dans le développement international, en particulier avec l'Afrique. Elle a rejoint la Fondation Hirondelle en décembre 2003, d'abord en charge du projet Radio Okapi, c'était la radio des Nations Unies en RDC, qui a été créée en partenariat avec la Fondation Hirondelle. Et puis, Caroline est devenue directrice des opérations en 2008. Avant la Fondation Hirondelle, elle a travaillé pour la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, où elle a participé à de nombreuses missions d'évaluation et d'observation électorale,
en RDC, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Congo-Brazzaville. Caroline est aussi membre du comité de la FEDEVACO. Et puis elle est titulaire d'une licence de l'Institut d'études politiques de Lyon. Elle a complété cette première formation par un diplôme en relations internationales de l'Université de Georgetown à Washington. Bienvenue Caroline. Voilà Jacques, je vous cède la parole.